dire un truc pour ceux qui suivent le live et pour ceux qui sont à décuber des pioches. Toutes les photos, alors en fait je me suis amusé à me déplacer un peu partout dans la convention et à prendre les gens en photo avec Gustave, donc notre mascotte adorée. Hein Gustave ? S'en bat les couilles. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en poster plusieurs sur le Twitter officiel de Gustave. Donc Gustave a un Twitter, vous pouvez aller le suivre sur GustaveDGW. Et il y a pas mal de photos qui seront, je pense, je vais commencer à les mettre là. Faut juste que je récupère les accès au Twitter et puis voilà. Et je suis tout seul, donc je vais devoir rester, donc c'est super, je vais meubler. Là, il y a Super LKG qui arrive. Non mais normalement on devrait recevoir... Il est quelle heure là? 11h48. Alors à midi normalement il y a Bill Survel... Il est 11h40. Quoi? Non, pas du tout. Ok, pas du tout. Bon bah pas du tout en fait. Bon du coup voilà, donc moi je me suis amusé à me déplacer un petit peu avec Gustave et j'ai pris pas mal de photos. Avec des gens connus et des gens pas connus, et des gens peut-être connus que je ne connais pas, donc ça c'est cool. Et voilà, donc moi ça m'éclate parce que ça me permet de rencontrer des gens, parce que honnêtement, moi personnellement je joue pas forcément beaucoup à Minecraft, je connais pas énormément la scène Minecraft, alors que grosse dédicace à Sam qui regarde le live, qui elle est une grosse fan, et qui me dit toujours ah il faut que t'ailles voir un tel, parce qu'il est trop bien et tout, et moi je suis en mode oui mais je sais pas qui c'est. Et là on a Super Rico derrière le live là, ouh là là qu'il est beau. Et voilà, et du coup ça me fait plaisir parce que je rencontre plein de gens et je vais parler à des gens et ça c'est bien. Et il y a vraiment pas mal de trucs, j'ai fait un petit tour de tous les stands, il y a vraiment pas mal de trucs qui sont super intéressants. Il y a plein de projets divers et variés qui ont tous un intérêt. Et ça fait plaisir à voir aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont très impliqués, il y a une très très bonne ambiance, c'est vraiment chouette. Il fait pas trop chaud. Donc ça c'est cool. Hey, il fait agréable. Franchement, je suis désolé. Il fait agréable, comme dirait LKG. Il pas fait chaud, agréable. J'ai non pas mais froid. C'est vrai, c'est, franchement ça fait plaisir. Et voilà, moi pour l'instant je m'éclate. J'oublie un peu la fatigue, même si ça risque de taper un peu dans l'après-midi. J'ai faim. Ouais. Voilà. Tout le monde a faim. Parce que ça il faut le dire. Mais voilà. Sinon, je sais pas ce qui est prévu là après. Je regarde le gars derrière la caméra. Ah d'accord, ok, très bien. Donc apparemment on a du temps libre. Donc je propose qu'on fasse une petite improvisation de danse LKJN. Donc LKJ va nous faire sa plus belle danse. Je suis désolé, je me dois de refuser. Ah, Gustave est volontaire par contre. Gustave est volontaire pour danser, non je pense pas. Mais d'ailleurs tous ceux qui sont sur le live et ceux qui regardent actuellement, n'hésitez pas à aller follow notre petit Gustave sur Twitter. On retrouvera toutes les photos, enfin quasi toutes les photos parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont traîné. Il est allé sur quasiment tous les stands mais c'est pas fini, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens à aller voir. Et voilà, c'est ma petite mission du jour, c'est de faire ça. Voilà, ça paraît pas énormément mais c'est quand même du boulot donc c'est cool. Je ne fais pas rien et ça c'est bien. Ah, ça me fait penser, le timelapse. Le timelapse est en cours. Alors en fait, ah oui, on va vous raconter cette histoire incroyable. Donc quand on a monté le stand, j'étais en charge de faire un timelapse du montage du stand. Et donc j'avais mis mon appareil photo sur un pied pour prendre la vidéo. Et il faut savoir que j'ai une carte mémoire de 16 gigas. Et en fait, quand vous prenez une vidéo, c'est très lourd. Et le problème, c'est que du coup, j'ai dû enlever du coup mon appareil photo, dérusher tout pour récupérer les premiers rushs de timelapse et remettre. Du coup il y a une petite coupure un peu chelou. Donc là je suis en train de faire le montage aussi du timelapse, donc j'ai plein de choses à faire. Normalement le timelapse je pense qu'il sera mis sur la chaîne YouTube DigiWave. Donc ça c'est pareil, si vous n'êtes pas encore habitué, allez vous abonner à la chaîne YouTube parce que il y aura toutes les rediffs de Cube des Pioches avec qui seront coupées par intervenants. Il y aura toutes les vidéos un peu délire qu'on aura pu tourner je pense pendant cette convention. Parce qu'il risque d'en avoir. Parce qu'on va aussi essayer de faire des petites vidéos. Moi je vais essayer aussi de faire des petites vidéos en off, c'est-à-dire après la convention ou avant la convention, quand on sera à l'hôtel ou quand on sera en train de manger ou quoi que ce soit, pour que vous voyez un peu l'envers du décor. Parce que c'est intéressant aussi à voir. La vie et, de quoi j'allais dire la vie de DigiWave derrière la cam. Ouais, mais du coup, c'est ça qui est cool, c'est que ça sera pas que DigiWave, il y aura aussi sans doute les autres intervenants et tout. Et ça, c'est bien aussi de faire participer un peu les copains parce qu'on n'est pas tout seul et. On a certes un gros stand et on a des moyens, mais c'est cool de pouvoir aussi faire profiter les autres. Et c'est pour ça qu'on essaye de recevoir tous ceux qui vont exposer aujourd'hui et demain. Qu'ils puissent présenter leur projet, que ça puisse, qu'ils puissent garder une trace sur le net. Et voilà. Nous, on est très fiers de faire ça. Je pense qu'on est toute l'équipe, on est très contents d'être ici. Voilà, là ils sont tous partis je sais pas où d'ailleurs, parce que d'habitude on a toujours des gens en régie. Alors on a Luch en régie qui fait un travail assez colossal, donc c'est la community manager de ce week-end. Et elle galère un peu des fois mais ça va, elle a l'air de s'en sortir.
On a LKG. LKG, il comble bien. Moi, je trouve qu'il comble bien, ça fait plaisir. On a Juarez qui fait un peu le papa. Il est un peu en mode. Il essaie de gérer un peu tout derrière et tout, c'est assez marrant. Et là voilà. Et là, Gustave fait son effet parce qu'il y a des gens qui ont pris des photos avec Gustave qui reconnaissent Gustave et qui font « Oh mon dieu, regardez, le chat est trop mignon et tout !» On vous a vu. Elles sont là. Et du coup voilà, ça fait plaisir. Donc oui, on essaiera de tourner des vidéos un peu sympathiques si j'ai le temps. Et les batteries aussi, parce que j'ai qu'une batterie pour mon appareil. Et c'est vrai que ça tombe plutôt très très vite. Donc voilà.